Yo les gars! Ah, je suis excité! Je suis tout content! Bienvenue à tous, on est sur un live Pokémon. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je suis pas là en mode pro Pokémon et tout. Ça va être très cool. Est-ce qu'on démarre? J'ai déjà préparé la suite parce que j'étais trop hypé. C'est parti. Déjà, faut choisir un personnage. On va me mettre un petit Renoir soir. Quel est votre nom? Comment on s'appelle? Ok, ce sera l'aventure de gros chien. C'est un film, le bordel de ouf, c'est tellement bien. Ça a tellement changé Pokémon dans l'espace de 10 ans, c'est ouf. Yo, Nabil, Aikilio comme ça qui sonne chez moi, abusé. Salut tout le monde! Comment ça va, mon Srav? Oh, t'as un nouveau téléphone, gros chien. C'est ça qui me fume dans les jeux. Voilà, mais là encore, ça va, c'est amical. On a une bête de maison, hein. Ça se voit à la fin après la banque de bâtard. Purée, c'est quoi ça que t'avais pas plus grand? Oh, calme-toi, Nabil. Détends-toi un peu par contre. C'est sa maison là? Oh, la daronne de Nabil. Oh, gros chien est là aussi. Oh, te fais comme chez toi. Y'a ma gamelle à gauche, parfait. Sur ce, au revoir tout le monde et n'oubliez pas, Draco Feu Power. Il a des sponsors au dos? Ou c'est genre ses badges? Venez, on fait une cape. Moi, je veux une sponsor NordVPN sur la cape. Une sponsor NordVPN et le logo de Red Shadow Legend. Il a un flow de dingue, ouais, je sais pas. Déjà, je viens de comprendre que c'était une casquette qu'il avait sur le crâne et du coup, je. Enfin, qui met sa casquette? C'est comme si là, je faisais un stream comme ça. Genre pourquoi? Ah oui, c'est lui qui ramène les starters. Oh là là, il va me saucer les gars, c'est le moment ou jamais. Le Pokémon plante, Wistempo. Le Pokémon feu, Flambino. Et le Pokémon eau, Larméléon. Ah mec, ils vont... Oh mais c'est trop stylé la manière dont ils présentent les starters. Oh là là, c'est très drôle, trop drôle. Allez. Alors vous voulez lequel? Ok, je trouve que les trois sont cool. Je pense que je vais partir sur le... sur Flambino. Flambino, il a le swag. Oh, est-ce qu'on lui donne un surnom? Oh oui, on va l'appeler Pumpkin, ça va trop bien. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Écoute Nabil, tu vas retourner faire de l'airsoft et moi je vais te mettre une petite pété là. Bien dit Nabil. Vas-y, let's go, hein. Ah, j'ai engagé un duel dès le début, là. Ok, un rond gourmand. Je vous cache pas que j'ai pas envie de capturer, mais on a dit qu'on voulait faire la quête de capturer tous les Pokémon. Oh, il est niveau 2, on le capture pas. J'ai changé si vite d'avis. Oh là là, qu'est-ce qu'on... Mec, c'est insane. Attends. Wold. Wold. Quoi, on se bat vraiment contre lui? Quoi? Ok, je suis choqué, attends, ok. C'est dommage qu'on ait pas de Pokéball, je l'aurais capturé direct. Attaquer ou fuir? On l'attaque, t'es malade ou quoi? Je le fume. Bien sûr, on attaque en premier, n'importe quoi. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. On va forcer, des fois qu'il nous one-shot. Il va fuir. Piscate, petite piscate, petite piscate. Gros chien, on y voit plus rien. Ah, on voit plus rien. Ah, je suis grave fort en doublage ou pas? Noté sur 20. Ah, gros chien. Ok, on se réveille. Hop, petite PLS. Il a pris le temps de nous mettre en PLS avant de partir. Incroyable ce Pokémon légendaire, il est trop sympa. Nabil, gros chien. Oh, Tarak, il est venu. Oh, comment il est arrivé en bombe, eh. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brassuc pour récupérer un Pokédex. Exact. Elle vient de me checker là. Je check ma mère. C'est bizarre comme relation. C'est super, je vais donner... Ah non, elle me donne de l'argent de poche, ok. Elle m'a donné combien pour voir si j'ai gagné plus d'argent en raquettant mon meilleur pote? On voit où là? Waouh. Wesh, elle m'a donné 30 000, elle est pété thune, on est pété thune ici. Oh, ça rigole zéro, 30 000 argent de poche. Putain, waouh. J'ai pas compris ce qui m'a attaqué. Oh, un chenipan. Bon, on va le fumer, hein. J'ai fait genre je m'extasiais devant lui, mais je m'en bats les couilles en fait. Hop, les one shot, ça dégage. Oh, lui là-bas, il a quoi de spécial? Je vais aller le fight. Oh, il est niveau 6, putain, j'aimerais trop le capturer. T'as déjà les pokéballs? Non. Oh, j'ai déjà des pokéballs. Oh putain, vous faites bien de me le dire. Mais attends, mais qui me les a donné? C'est ma mère? J'ai même pas lu en fait. Ah, j'en ai 5. Bon, oh, il va y passer, hein. Franchement, je le capture, hein. Ça passe, il était assez affaibli en vrai. Allez, un dernier. Et le sang! Premier Pokémon capturé, mini-sange. On lui donne un surnom? Venez, on lui donne un surnom. Comment on l'appelle? Joyka. La vie de ma mère, il a pas intérêt à me décevoir. Joyka, rejoins votre équipe. Bang! La team Joyce, tu es là! Oh, y'a un renard trop stylé là-bas, je le veux. Oh, il est trop lourd, je le veux. Un goupilou. J'ai peur de le one-shot, on va faire vive attaque. Oh, on va essayer de le capturer. Il me reste plus que 2 Pokéball. Ça devient la crise là. Yes! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait s'enfuir. Ok, goupilou dans la poche. Il est niveau combien? J'ai pas vu par contre. J'ai pas vu, il était niveau combien ce petit chien? Voulez-vous donner un surnom à goupilou? Ah, mais par contre, sa queue elle est bizarre, elle traîne par terre, j'avais pas vu. En vrai, c'est un peu l'égérie de Space Fox quoi. Donc je pense qu'il va s'appeler Amixem. Je pense que tout de suite on part sur Amixem. Amixem a rejoint l'équipe, c'est parti. Oh, t'es vraiment moche, t'as rien pour toi. Hein. Un rond gourmand sauvage apparaît. Et c'est le dernier Pokémon que je vais devoir attraper. Et ça part. Putain, aucune difficulté sur. Je pensais vraiment qu'il allait sortir, c'est pour ça que je parlais pas. Allez, on a la team complète. Bon, il y a 3 blaireaux dans la team, mais on a la team complète. Ah oui, il y a tout en un. Ok, c'est ta première fois dans un centre Pokémon. Non, je m'y connais, t'inquiète. Gros chien, va faire sonner tes Pokémon si nécessaire et retrouve-moi sur la route 2. Elle donne peut-être des Pokéballs. Encore un horoscope qui tombe juste, je le savais, les astres ne mentent jamais. Oh, toi aussi tu veux connaître ton horoscope? Ouais, de fou, vas-y. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir, donne-moi ton mois de naissance. Je suis né au mois de novembre. Je suis né le 8. Voyons voir. Tu es né le 8/11. Yes, c'est ça. Tu m'excuseras mais l'astro c'est une source exacte. C'est ça, serait. Voyons voir ce que donne ton thème astral. Alors, je vous préviens, je veux une bête de journée. Je veux une bête de journée. Laisse-moi consulter mes grimoires. Ouais, tu regardes un buisson quoi. Elle a pas du tout le physique en plus pour tirer les cartes. Mince alors, mon grimoire est tout taché. Ça doit être quand j'ai mangé mon goûter.
décider. Je n'arrive même plus à déchiffrer les aspects avec tout ce chocolat, c'est ennuyeux. Ne t'en fais pas, je vais y arriver quand même, les étoiles me guident après tout. Ta date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Vu la position des as, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Bon les gars, vous l'avez entendu hein, je suis quelqu'un de formidable, donc faudrait peut-être me follow sur Twitch quoi. Bah après c'est elle qui dit ça, moi je dis rien, attention hein. Le gars c'est. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. C'est beau ça. Oh, on peut changer nos fringues. Oh la vie de ma mère, je lâchais 30 000 balles dedans, je rigole même pas. Waouh, mais mec, c'est trop bien en vrai. Vas-y, y a pas quelqu'un qui veut me donner des fringues en deux spies, là les sœurettes. 30 000 balles. C'était celui, je me disais, hey, y a un petit flow. 30 000 balles. Est-ce qu'on a aucune peine pour notre mère, on dépense tout. Non, on va pas faire ça, on va pas commencer à faire de la merde. En vrai, je me donnerais bien un petit look marin. Je sais pas comment me saper là. Ouah, c'est trop complexe. On peut se faire un petit look soin un peu là. Oh, j'ai pas vu le prix. Oh, on va se calmer. Wow. On va juste changer le bonnet, je crois, en fait. Hein. 6 000 balles. Ah, si je me fais mon perso. Hein. Bon, bah les couilles. Je récupérerai de la thune sur les autres. Vas-y, parfait. Allez, hop. Ciao, bye. 20 Pokéballs. Ouais, régale le frérot, ouais. Il est pété de thunes, Tarak, ça se voit. Ah, ça, c'est ses sponsors. Hein. Moi aussi, je veux une cape là. Une cape Rhino Shield. Oh, c'est quoi ça? Je vais le capturer. On peut en mettre un petit coup de charge, je pense. Eh ben yes hein. Ah il est encore là. Bon il est pas rare, tant mieux. On va essayer de le recapturer. Vas-y mais il détruit Pumpkin par contre. Calme-toi un peu frérot. On va pas être potes tous les deux. Et allez ça up chez tout le monde. Amixem niveau 5, Joyka niveau 8 et Pumpkin niveau 10. Oh qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il a pour habitude de mordre tout ce qui lui passe sous les yeux. J'espère qu'il va pas croiser la route de ma queue. Pardon. Alors. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce gros plan sur lui? Ah il veut un fight. Vas-y let's go. Ouaiaiaï! Je te regarde, tu me regardes, alors en garde! Ça me fume les combats Pokémon, comment ils sont lancés. Christopher, le gamin, veut se battre. Mets-lui une grosse mandale. A few moments later. Bah voilà, on a racketté le petit Christopher. Nabil le dresseur veut se battre, tout le monde. Nabil le dresseur veut se battre, hey! Vous recevez une étoile vœu, qu'est-ce que c'est? Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Donc faut faire un vœu là? J'en reviens pas, on raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Ok Nabil. Ok, faut répéter le vœu 3 fois. Je veux me faire un max de thunes, je veux me faire un max de thunes et je veux me faire un max de thunes. J'imagine un dresseur comme ça qui nique toute l'aventure. Oh bah dis donc, elle a couru très vite Sonia. C'est quoi tout ce ramadan? Wow, je suis fatigué. Wow, c'est quoi tout ce ramnam? Ok, la gare est par ici. Putain, on va prendre le train. En plus, ça tombe bien, je paye 70€ d'abonnement TGV Max par mois. Pour qu'au final, je devrais repayer les trains parce que j'ai pas de TGV Max sur le moment. Un plaisir, la SNCF de merde. Pardon, excusez-moi, je suis en train de pousser un coup de gueule. Non, pas du tout. Alors, je suis déjà en train de fouiner pour trouver des Pokéballs. Ok, on va parler à tout le monde avant d'y aller. Ouais, vas-y, occupe-toi de mon équipe. Let's go. Ça a changé les infirmières Joël, hein. C'est plus du tout ce que c'était. Par contre, voilà le gros pif qu'elle a. Wow, t'as pas été gâté par la nature, toi. Hein. Et pourtant, c'est un jeu vidéo. Oh, un pifeuille. Lui, il me le faut. Vraiment, il me le faut. Ok, on se concentre. Et j'appuie sur X pour le capturer. Bang! Il ressemble à Link. Mais comment vous pouvez dire ça? Ça me fume. Au début, quand je le capture, on finira là-dessus. Parce qu'après, j'ai trop la dalle. Je vais devoir vous abandonner. Amixem niveau 10. Putain, on a une bonne team là. Pumpkin, leader de cette team, bien sûr. D'ailleurs, il vient de passer derrière moi, je crois. Viens dire bonjour aux gens. Viens, mon chat. T'as faim, toi? T'as les yeux de. T'as les yeux qui. Hop! N'essaye pas de t'enfuir. Bah, il m'aime toujours autant quand je le prends dans mes bras, regardez. Oh, il me fait des bisous après. Oh, le sang, t'es mort, tu veux quoi, toi? Je sais pas si vous le voyez. Ah, oh, si vous le voyez totalement en train de me déchirer les doigts. Qu'est-ce que tu dis? Oh, voilà, ça sent bon là. Oh, le petit cœur, la petite crevette. Oh, me parle pas sur ce ton, t'as de la chance que je sois occupé. Il sait pas trop s'il doit me griffer, me mordre ou me lécher les doigts. Du coup, il fait un peu un mix de tout. Ouais, il a grandi de ouf, hein. Et encore, vous voyez pas là, mais c'est une sacrée crevette. Oh, la vie de ma mère, pose-moi tout de suite. Ah, il a vu le saumon. A plus. Il pue de la bouche. Il pue de la bouche. Attendez, je reprends ma manette. Et allez, c'est parti. Alors, on va essayer le duel là, en combat solo. Ok, c'est une toute première, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Ça se trouve, c'est éclaté. Mais si on peut avoir un Pokémon rare. Ok, ben. Je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il vaut. La puissance du Dynamax. Alors, ça doit être efficace normalement, du combat sur du roche. Ouais, il a un Pokémon trop stylé, le gars à gauche là. Ah, puis même l'autre, elle a un Voltali. Ouais, en fait, je suis le seul à avoir un Pokémon un peu rincé, je pense. Hé, hey, mais qu'est-ce qui... Mais t'es le pire! Il me vole mes sardines! Mes sardines, pas mes sardines. Mais t'es vraiment un voleur! Il est en train de me voler ma bouffe! Et voilà, c'est pas moi! C'est quoi cette odeur? Faut se laver gros! J'ai le seum! D'ailleurs, du coup, j'ai raté tout le combat. Je reviens et je vois un truc de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Appuie sur Dynamax, je vais appuyer sur Dynamax. Ok, je vous fais confiance. Une tempête de sable se prépare. Pikachu de Caroline utilise tonnerre. Par contre, on n'est pas aidé, il y a des blaireaux avec nous. Oh, je vais Dynamax, c'est sale là. Quoi, elle s'est fait fumer? La tempête au-dessus de vous s'intensifie. Par contre, ça a changé les combats Pokémon ici. C'est où Dynamax où je dois appuyer? Je peux pas Dynamaxer là. Ah si, Dynamax. Je peux pas encore. Faut que je charge, je crois. Vas-y, on va continuer. Hein. Je pouvais pas Dynamaxer, les gars. Je dis ça comme si c'était genre faire du vélo. J'ai trop envie d'acheter le jeu maintenant grâce à toi. Bah, en vrai, il est cool. Je veux pas le survendre, je le trouve vraiment cool. Ça y est, Voltali a compris. Ça utilise double pied. Si tu le captures, sa dernière évolution est géniale. Ok, je vais essayer de le capturer. Par contre, les attaques, ça rigole zéro. Et... Ah, Pikachu, aussitôt réapparu, il est reparti. Allez, à plus, loser. Voltali de Natacha utilise double pied. Oh, c'est moi qui vais le finir, je crois. Je vais avoir le privilège. Ok, faut le mettre KO pour ensuite le capturer. J'avais pas compris. Oh, j'ai même pas eu l'occasion de le finir, je suis dégoûté.
Et t'affaiblis, c'est le moment de lancer une Pokéball. Ok, l'attraper, utiliser, let's go. Aïe aïe aïe. Non, par contre, en vrai, c'est lourd. Et du coup, il y a... Vu l'animation... Est-ce que c'est... Attends... Ah non, on peut fail, ouais, on peut vraiment fail. Putain, c'est tellement stylé, ils sont chauffés. Bang. Allez, c'est capturé, voilà, y'a quoi. Il est mauvais ce Pokémon, ah. Merde, je suis deg, on m'avait hypé pour rien en fait. C'est pas grave, on a gagné plein de trucs. Oh, un super bonbon, c'est lourd. Je vais l'envoyer dans une boîte PC et je vais regarder ses stats. Et après ça, on clôturera ce live et j'irai manger parce que j'en peux plus. Alors. Ben, hop, je vais aller regarder l'évolution tout de suite, savoir s'il est bien ou pas. Niveau 19, nodulite. Ah, c'est lui! Ok, il évolue en géolite qui évolue en gigalite. Et donc, vous me dites qu'il est pas ouf, lui. Les pro Pokémon, là, vous pouvez me dire s'il est bien ou pas. Il est nul. Il est niveau 19 quand même, en vrai, c'est pas trop. Il est nul. Bien, il est génial. Archi bien, oui. Il y a mieux, bof, bien, bien, bof, passe, il passe, nul, à chier. Ok, c'est très mitigé, comment ça se fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger. On revient tout à l'heure et on avise pour voir ce qu'on fait avec lui. Comme ça, on sera requinqué, on aura les idées claires. Et je pense que ça sera bien mieux pour tout le monde. On finit sur une bonne team, en vrai, je trouve. Pumpkin, Joyka, Mixem, un inconnu, Linka et Actuan. Moi, je trouve ça plutôt propre. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci, c'était très cool. Et puis, trop content de commencer cette aventure Pokémon. Je suis grave saucé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui pourront. Et puis, bah, bon appétit, bonne soirée. Je ne sais pas, en fonction de ce que vous faites. À tout à l'heure. Allez, des bisous là. Je coupe ce live. Arrêtez un peu. Bisous.